Je vous respecte tellement. Yahweh, 300. Yahweh, on va pas faire là. Résumé du jour. C'est le délai méchant. C'est loup est méchant. Il est méchant. Petit marteau qui casse gros caillou. Non, aujourd'hui encore. Waouh. Je respecte ce Loudel. Il n'y a pas de dormi aujourd'hui encore à Serutouréa. Il n'y a pas dormi à Serutouréa aujourd'hui encore. Ouh! Téléphone dans tout son effet. Téléphone dans tout son effet. Tout de suite là, on vient donner l'ordre de décaisser une somme alors que je vais me remobiliser. C'est Loudel, tu es méchant avec notre économie. Dès que tu fais une petite chose, il y a mon mire serifima. Kobri maraboara, alkuiri imité. Imité, mais jamais égalé. Waouh! Félicitations, UFDG. Non, comme vous dites, vous aimez souvent dire là, 2027, c'est l'Oudel. Non, vous avez démontré aujourd'hui, vous avez cassé le papou. Comme les Ivoiriens aiment le dire. Oma men, n'a mago n'yende vite. N'a te kore. Voilà. Fanta Jamil, tu as vu aujourd'hui, tu as vu de tes yeux, Alpha Condé est en train de crier seulement les maudits. Et c'est la Bora et Burundi. Et c'est la Bora et Burundi. Et moi, je couvre tout, je couvre bec bec. Et moi, je suis là, je suis là, je suis là. Mais d'abord, pour commencer, bonsoir tout le monde. Pour commencer ce live-là, Tara, c'est le ministre de l'Éducation, comment il s'appelle même? Comment il s'appelle? Écrivez-moi son nom. Ouais, je vais voir. Écrivez le nom du ministre de l'Éducation. Je veux voir son nom. Si c'est Taran, ouais. Taran, c'est affaires sociales, ça. Hein? Il a un derrière, c'est lui, Taran. Le ministre de l'Éducation, Arel Dignan, le conseiller d'Alpha Condé, là. Mirema, Arel Isabel, c'est moi, je suis un tofé, c'est moi, je suis un tofé, c'est moi, je suis un tofé. On s'en gros, wos. Fanta. Ah non, direct Marfa, l'ambassadrice de Sigrin, le direct est là. On va tout dire aujourd'hui, on va casser. Voilà, Bano, c'est pas Taran. Ministre Bano, qu'est-ce que les gens de... Quel est le village même là? Tout Koubia. Qu'est-ce que les gens de Koubia t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont à faire dans la politique? Zéro admis. Koubia, zéro admis. Baccalauréat, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Hein? Qu'est-ce que les gens de Koubia ont fait au RPZ? Irakata, Irani, Irak doublé. Zéro admis, baccalauréat. Tout Koubia. Les gens de Koubia, vous avez intérêt à lutter contre ce régime-là. Banou n'aime pas Koubia. Est-ce que Koubia ke Omu Guinébar Banou Ira? Vous n'avez pas retiré femme avec Banou. Vous n'avez pas indifféré avec Banou. Je jure, Koubia zéro admis. Une première dans l'histoire de la Guinée. Hii! Non, je ne vais même pas rentrer dans le détail là. Bano, Koubia Kenan Nabarira, viens te déterminer. Viens nous dire ce que les gens de Koubia t'ont fait. Parce que 44%, il y a très longtemps, la Guinée n'a pas réalisé ses scores au baccalauréat. Koubia zéro admis. Waouh!
Quand j'ai vu ça, j'ai pris ma tête. Je dis, ils ont sacrifié les enfants. Là. Ils ont sacrifié les enfants. Banou a sacrifié les enfants. Là. Peut-être, il y a une fille de Koubia qui ne veut pas de Banou. Peut-être il a voulu draguer une petite fille de Koubia. Ou bien, il a un rival qui est de Koubia. Ou bien Alpha Condé n'aime pas la tête de Koubiaka. Vous n'avez pas construit là-bas. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a même pas un bon préfet là-bas. Il n'y a même pas un bon sous-préfet là-bas aussi. Pour finir, zéro admis. Et on me dit aussi, BPC aussi, zéro admis là-bas encore. Qu'est-ce que les gens de Koubia ont fait au RPZ Arc-en-Ciel? Non, ça là, on va développer ça une autre fois. Mais ce n'est pas clair. L'affaire là n'est pas claire. Sinon, premier de la République là, c'est les Peuls. Les 10 premiers, il y a tout, ce sont des Peuls. Il y a plusieurs années de ça. Koubia, zéro admis. Waouh. Ça, il faut que je bois un Fanta. Bon, revenons maintenant à la réception de celui d'Alain Diallo, l'enfant béni de Dieu, ou bien le vieux béni de Dieu. Il a Alpha Condé ne dort pas, il ne fait que crier dans le téléphone. Est-ce que vous avez vu ce que celui d'Alain a fait? Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait à Conakry? Depuis que Alpha Condé est président, il n'a pas pu mobiliser comme ça. Malgré qu'ils ont l'argent, malgré qu'ils prennent l'argent de la Guinée, ils donnent aux gens pour mobiliser, il n'a jamais réussi à mobiliser comme ça. Alors, on a un tour, on a qui? Autour, il y a un tour, on a qui? C'est que ça, c'est la fumée que vous avez vue comme ça. Le feu est derrière, c'est le jour où vous allez voler là. Vous avez vu, non, le monde qui est sorti là. Est-ce qu'il y a un policier en Guinée qui peut arrêter ça? Est-ce qu'il y a un policier en Guinée qui peut arrêter ces nombres? Alors, le jour de la proclamation du résultat. Alors, Alpha Condé, il y a un maintenant, il y a un parce que UFDZ, d'ici, c'est pas celui d'aller, on partage la Guinée. Et ils t'ont montré aujourd'hui. Ça, c'est-à-dire réception seulement. Ça, c'est même pas campagne pour dire à celui d'aller, il nous s'aime. N'aime pas la foule à vous dire. Bon, non, on va dire. Avant de faire la cancelle, celui d'aller, il nous s'aime. Bienvenue dans ton pays. Ou bienvenue dans ton pays. C'est ce que vous avez vu aujourd'hui, quoi. Ah non, 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 non. Moi, la foule même m'a saoulé, quoi. Moi, mes parents étaient sortis, ils ont été bloqués. Autant me bouger ma taxi mané. Autant bloqué, n'a qu'on y a un taxi mané. Ils m'ont fait n'y a rien. Ils n'ont même rien à me faire. Même si on n'a pas l'argent, mais on est content. C'est le Dalen donne la joie. Section motard, une fois moto cascadera, énuméré. Et puis, voilà, Tolimon, ça c'était le Toli de Selou Dalem. Ça c'était Toli Selou Dalem. Vous avez vu ça? Motard, une fois moto cascadera, cascade leur moto. Ils font des cascades pour émerveiller la foule. Pendant ce temps-là, remontez un peu plus haut, entre Kerouani, Kankan, les maudits là. Les maudits, n'aurait les fuma mais ils m'ont envoyé des yachts, n'aurait bien fuma mosquée oui. Ceux qui font des caca dans les mosquées, même s'ils pètent, les gens ne pourront plus rire. Les maudits là, ils sont en train de souffrir. Entre Kerouani et Kanka, ils sont en train de souffrir. Il y en a qui sont, on a publié les images, ils sont dans les pirogues. Il y a pas de pont. Ils sont dans les pirogues. Ils sont partis pour tromper les villageois. Tromper les villageois. Mais eux-mêmes là, ils souffrent avant de partir tromper les villageois. Mais nous, nous prions Dieu. Autodor a tant qu'on qui kouinaki. Malissa, je fais tant qu'on qui boira. Po! Vous gourriez, boum, au madoula, au fouillé à mon tour. Parce qu'on n'a pas besoin de vous. Vous là, les ennemis de la Guinée. Les ennemis de la Guinée. Abo, Malissa, yo, Ao Gerou, Hippopotam, Ao Gerouna. N'arrête nous baki Eliko, qui a fait campagne. Et puis, campagne là, quoi. Il se concentre sur la Haute-Guinée. Haute-Guinée seulement. Et puis, pas partout, hein.
Parce qu'ils ne vont pas aller à Farana. Les Faranaka ont compris. C'est Kankan, Kerouane, Sigirin. Les trois endroits sont partis pour tromper les Alpes. Motard, quand tu prends ta moto, Indangibura, quand tu traverses la boue, je vous assure, Modia que tu prends dans la boue là, ça va t'accompagner jusque dans ta tombe. Les maudits comme ça là. Hein? Vous n'avez plus votre importance en Guinée. Vous avez vu, Alpha Condé même là ne veut pas faire campagne. Parce qu'il ne peut pas. Hélico, que Dadis a acheté là. Hélico là est en panne, il a peur de monter dans l'hélico. Ce n'est pas à cause du coronavirus hein, s'il ne va pas à l'intérieur. Parce que l'hélico là fait beaucoup de panne maintenant. Vous avez vu, il ne monte plus là-dedans. Parce qu'il est intelligent. Le Mauritanien, le marabout mauritanien là, lui a dit que c'est hélico qui va le tuer, ou bien avion. Depuis lors, il ne monte pas comme ça. Vous avez vu, dès que le marabout l'a dit, le jeune qu'on est là, le jeune militaire qui a fait accident là, il est décédé. L'hélico là a fait accident, il est... Paf! Les deux là sont morts là-dedans. Lui croyait que c'est ça, mais le Mauritanien lui a dit encore, si ce n'est pas avion qui va le tuer, c'est hélico qui va le tuer. Bon, peut-être... C'est le jour où il va voler les élections, la foule va aller à Serou Touréa et il va courir, il va monter dans l'hélico. Peut-être c'est ce jour-là, il va mourir dans l'hélico là-bas. Peut-être c'est ce que le marabout mauritanien là lui a dit. Ah, c'est Loudalin, tu es méchant. Vous avez vu maintenant quand on disait, moi j'ai critiqué quand même, hein, quand les Ousmane, les Loudalin ont voulu aller, j'ai critiqué personnellement. J'ai parlé avec la maman UFDZ, Hadia Alimat Dalen. Je lui ai dit ça, ce n'est pas une bonne idée. Mais aujourd'hui, je le connais. On avait tort. Il fallait que quelqu'un parte. Il fallait que Selou Dalen aille. Hamousiga nous. Non, ce n'était pas élection. Alpha Condé lui-même, il a dit ce n'était pas élection si Selou Dalen ne partait pas. Mais maintenant, là, il a chaud. Je ne sais même pas quoi. Mirina Khan. C'est lui qui a montré la visioconférence à Alpha Condé. Qui l'a fait? Et quand il m'a la Guinée, qui est toron, hein? Tu as fatigué la Guinée. C'est lui qui a montré la visioconférence à Alpha Condé. Tu as fatigué le monde. Tu viens pour une audience à Alpha Condé. Il dit, mettez-le au salon. Adore. Bureau. Visioconférence. C'est le mur seulement qui vous sépare. Maintenant là, tout le monde, visioconférence. Personne, il ne reçoit personne. Je ne sais pas. Allô bébé, allô Dieu aurait dit quoi. Il ne connaît même pas quand est-ce qu'il faut utiliser ça, quand est-ce qu'il ne faut pas utiliser. Mais lui, tout le temps maintenant, c'est ça. Téléconférence, téléconférence, téléconférence. C'est lui qui a fait ça et tu as fatigué les Guinéens. C'est lui qui a montré ça à Alpha Condé. Je jure, tu as fatigué les Guinéens. Et puis, si les éléments, les maudits blogueurs là, Yandi Wafel Alpha Condé, Aha Foto et Rara Guru Konakri, Douyor et Garoufé. Les enfants ont trop peur maintenant. Vous avez utilisé Photoshop pour le rendre beau. Photoshop même là ne peut pas. Au lieu qu'il soit beau là, il est devenu effrayant. Les enfants ont très peur maintenant. Et puis, ce qui fait très peur, le quartier là où ils ont mis sa photo avec Nantou Chérif là. Oh non. Les enfants de ce quartier là, les gens sont en train de faire déplacer même leurs enfants. Parce que c'est effrayant. Les deux vieux là, Nantou Chérif et Alpha Condé, au moment où on prend des photos, on voit ça. C'est effrayant. Ça effraie le monde. Et regardez même Selou Dalen et Alpha Condé. Tu mets la photo de Selou Dalen, l'endroit ça devient. Ah non, très beau. Selou Dalen, naturellement, il est beau. Naturellement, il est beau. Il est bien arrêté. Maintenant, à ton parce qu'il faut les rouler, t'as moins, il faut les purner. On a vu ça. À mon côté, mais il est beau. Avoir un président comme ça, très beau comme ça là. Non, ça donne même. Les investisseurs même viennent quoi. Mais regardez un vieux. Alpha Condé, regardez. Et bien, pendant tout Chérif Mandora a fait, ça effraie les investisseurs. Ils viendront jamais. Seulement les Chinois, ils vont oser. Parce que ils ne sont pas une année là. Donc, mais les autres investisseurs, les Américains, les Français, les Européens, quoi,
les investisseurs, même africains, là, ils ne viendront pas. Parce qu'Alpha Condé est effrayant. Le vieux, là, il faut qu'on le dépose. On va déposer le vieux, là. Il est effrayant maintenant. Si quelqu'un est vieux, là, on le met dans une maison de retraite. Alpha Condé n'arrive même pas à marcher. Mais regardez le jour où il a reçu les gens de Bobodi là. Quand il marchait, c'est du côté. C'est à l'abri. Il y a un camion canari. J'ai dit, c'est Loudalen. Tu as encore foutu du travail aux gens du RPG. Alpha Condé dit, dès que tu es rentré, il a suivi tout. Dès que tu es rentré, il a appelé ces lieutenants-là, les gens qui ont pris l'argent du peuple là. Ils sont partis pour faire enjailler les villageois là. Il les a appelés. Au ministère va faire village, capitale là. Alors Alpha Condé Moudo, ils s'en amènent. C'est là-bas on t'attend. C'est là-bas on attend. Hey! Il ne faut pas qu'il y ait manifestation en Guinée. Il n'y a pas de réception RPG en Guinée. Quand on vous donne l'argent, prenez, mangez, mais ne sortez pas. Alpha Condé dit que c'est les gens là, les ministres là, tous qui ont pris l'argent, ils ont dit qu'ils vont aller regrouper les gens. Alpha Condé dit qu'ils ne foutent rien. Ils font rien. Ils vont, ils gaspillent l'argent, mais ils ne voient rien. Ils disent, regardez ce que ce Loudalé a fait. Ils ne donnent même pas l'argent. Mais tout qu'on a crié est sorti aujourd'hui. C'est ce qui démontre qu'on en a marre d'Alpha Condé. How can we have a man for this? I'm a gilly. The intense man, I'm alpha con the mengenara. Kali do alpha con the munagi, me una alpha con the sagili, vunara. Le mettre en prison, c'est encore lui rendre heureux. Faut lui laisser. On va lui laisser. Mais ce qu'on doit mettre en prison, Pantamasso, même à l'air là, il s'est tué, il parle plus. Il parle plus parce qu'il veut se faire oublier. Mais on ne t'oubliera jamais, Pantamasso. On ne t'oubliera jamais. Tu seras à la première ligne des gens qui vont être arrêtés, jugés. On ne t'oubliera pas. Les maudits blogueurs qui sont en train d'insulter à Conakry, là, apprêtez-vous. Hein. Quand Mandian Sidibé rentre, vous aussi vous sortez. Parce que Mandian est en exil. Takana est parti en exil. Tata Kourou est en exil. Quand ceux-ci rentrent là, quoi, ils prennent leurs bagages, ils veulent rentrer. Vous aussi sortez. Et puis vous là, quand vous sortez, c'est pour de bon. Même si vous partez à l'extérieur, il y aura l'Interpol, il y aura une vraie justice. On va vous faire extrader. Mais regardez, un gouvernement voyou comme ça, là, un gouvernement bandit, il n'utilise pas l'Interpol hein, pour extrader les gens. Il s'asseye là-bas. Tu vas pour ton petit séjour, ils vont partir te kidnapper. Regardez ce qu'ils ont fait à mon ami Souleymane Conné. Il n'est même plus dans les affaires là, quoi. Lui, il va créer son mouvement. On le kidnappe, on le met en prison. Et à l'extradition, ce sont des instruments de l'État pour faire extrader quelqu'un qui commet des infractions depuis l'extérieur. L'Interpol, c'est la coopération entre les policiers. Alpha Condé, si quelqu'un a commis l'infraction vraie, là, il ne suffit que faire des procédures seulement et puis interpeller la personne, traduire la personne jusqu'en Guinée. Mais ils ne font pas ça, ils s'asseyent. Toi, tu quittes, tu viens, tu travailles à l'extérieur, tu prends l'argent, tu rentres en Guinée pour investir. Et ils n'investissent pas, ils volent. Tu vas pour investir, ils voient, ils te kidnappent. Nabirin Dama. Et puis les maudits blogueurs qui sont à l'extérieur là, quoi. Personne ne va nous dire il y a chasse aux sorcières. Le gouvernement qui sera là, que ce soit Serlou, que ce soit Makale, que ce soit Dr Ousmane Kaba, que ce soit Kabele, que ce soit n'importe qui, Mounabe, parce qu'il faut juger, vous devez être jugé. Vous devez être jugé. Celui-là est très proche du pouvoir. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Même Alpha Condé le reconnaît. Maintenant, là, il n'a même plus. Il n'a même plus de discours. C'est utiliser les bêtes. Les malinqués sont intelligents, mais parmi eux, il y a des maudits. Il y a des maudits parmi eux. Non, maudits n'a rien. Mafra malinqué, les maudits du RPG qui suivent là, quoi, la lettre. Les maudits là, quoi, hein, qui suivent là, Alpha Condé là. Ni n'a pas de bembe, il y a un meilleur, il y a un Conakry.
et ton gourmand, il m'a son ascende et Araldi. Maninke, il m'a dit Saraba, Kusaraba. Tangouro, il m'a dit, on a une meilleure qualité, gnar, et l'humanité n'en consomme là. Vous voyez, ils n'utilisent même pas leur brain, ils n'utilisent pas leur tête. Une grande chèmore, il faut aller. Et puis une chèmore, il a concours nanara. Des individus paraboles et ils bénéficient. Ne bangé dima, ira de revenir à l'homme. Regardez le village, Kerouane. Il n'y a pas de route. Moto et d'homme, on va faire un bourra à Kassana. Est-ce qu'il fait campagne? Non, 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 non. Bon, je vais vous laisser, on m'a envoyé le message. Vous êtes nombreux, vous êtes à peu près 1000 personnes encore en ligne. Nous, ce n'est pas pour des vues. Allez dire ça aux maudits blogueurs. Que nous, ce n'est pas pour des vues. Je coupe maintenant parce que vous êtes très nombreux. Je dois me retourner au travail. On va chercher l'argent avant de revenir en Guinée pour investir. Ce n'est pas comme les maudits blogueurs. Takana, courage à toi, mon frère. Mangana, tu as prouvé de quoi tu es capable. On est de cœur avec toi. Suleiman Kondé, mon ami, tiens bon. Alpha Kondé t'a grandi. Tu sortiras grand. Ton mouvement, on a rien ce manier, rien marié, rien signé. Sur ce, je vous laisse. Ogoro, 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 ogoro. Fofana, fofana, rebori. Ote, ogoro, ogoro. Et l'âge bailleur de fond. Fanta Jamil. Hale. Symbolique. J'ai oublié qui encore. Kamara Éveil Guinée. Tout le monde, vous êtes salué. Sali, depuis Atlanta. Sali Barry. Une femme au grand cœur. Encore. Tout le monde est salué par là. Et d'ailleurs, on va. Il y a un jeune Diallo qui m'a contacté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il a développé une application sur la géolocalisation. C'est hyper intéressant. Vous voulez sécuriser vos voitures. En tout cas, nous travaillerons ensemble. Quoi. Vous voulez sécuriser vos voitures. Vous voulez les protéger pour ne pas que les maudits du RPZ là volent les trucs dessus. Il a une application pour ça. Et puis avec des matos, tout. On développera ça. Donc, je vais devoir vous laisser. Ciao, ciao.